Salut à tous, bienvenue au complexe du Vercors à Bourg-de-Péage pour cette rencontre de handball de deuxième division féminine entre Bourg-de-Péage et Saint-Maur. Un match très intéressant. Salut Bertrand, comment tu vas ? Salut Roger, bah, ça va toujours bien quand on passe du handball féminin sur Mistral TV. Là en plus ce match est assez intéressant pour Bourg-de-Péage puisque là elles sont toujours troisième et en gagnant ce soir elles conservent leur troisième place. Donc il y a un petit objectif sympathique pour elles. Un match compliqué la semaine dernière il me semble. Elles menaient de 2 points à quelques minutes de la fin de la rencontre pour finalement eh bien, et perdre cette rencontre. Ouais, en plus la semaine dernière elles étaient à Chambray, donc les deuxièmes. Elles sont allées chez les deuxièmes. Elles menaient de 2 points à 5 minutes, elles perdent de 2 buts. Donc il y a une petite frustration chez elles. Donc j'espère que ce soir elles vont nous montrer qu'elles sont revanchardes et qu'elles vont pouvoir gagner le match. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite en tous les cas. On vous souhaite de passer une bonne soirée sur Mistral TV. On se retrouve dans quelques instants pour les commentaires de cette rencontre. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral TV. Bienvenue au complexe donc du Vercors pour ce match de handball entre Bourg-de-Péage et Saint-Maur. Deux équipes eh bien, qui se connaissent bien puisqu'ils évoluent maintenant depuis quelques années en deuxième division, mon cher Bertrand. Oui, rebonjour. Oui, donc là, les équipes se connaissent, surtout que c'est le match retour, donc elles se connaissent du match aller. Et Bourg-de-Péage avait gagné au match aller, donc en espérant qu'elle puisse récidiver ce résultat, sachant qu'en plus, Stella Saint-Maur est privée d'Angélique Spencer, qui est ancienne internationale, donc qui devait amener l'expérience au niveau de son équipe. Donc oui, on va espérer pour... les Bleus de Bourg-de-Péage, que la troisième place soit encore là ce soir. Qui serait synonyme effectivement de se rapprocher vers la place de championne de France de deuxième division, ce qui serait quand même plutôt intéressant parce que même si on en parlait la dernière fois, la montée est quasiment impossible puisque financièrement ils n'ont pas le budget, être quand même champion de France c'est quand même un titre honorifique que l'on aime effectivement se partager. Hein. Oui, surtout cette année le titre de champion de France est acquis pour Brest. Brest, le futur adversaire de Bourg-de-Péage. Donc, par contre, ça prépare déjà l'année prochaine, la saison prochaine, pour éventuellement essayer de jouer cette première place l'année prochaine. Voilà, donc on va bien faire un petit peu la présentation des équipes et notamment déjà, vous voyez les arbitres arriver sur ce fameux parquet, en tous les cas, ce complexe du Vercors, avec Sébastien Along et Damien Moiti, qui vont donc tous les deux arbitrer cette rencontre. Ce sont déjà des habitués de la deuxième division. Allez, avec l'équipe de Saint-Maur, là, qui font leur apparition avec Déborah Podard, la numéro 5 est capitaine ce soir, Marlène Guyon, la numéro 6 Marie Gaillard, la numéro 12 qui va faire son apparition qui est Karen Gadella, la numéro 15 Zulal Aguirre, la numéro 17 Fanta Keita, la numéro 18 Mathilde Dégoué, la numéro 27 Aurélie Goubel, la numéro 37 Eva Pali ou Paliès, ne sais pas exactement, Paliès, merci Bertrand, la numéro 42 Isor Mozabo et la numéro 52 Adeline Alamelou avec l'entraîneur qui est Samir Messaoudi. Voilà. Donc dans quelques instants, Bertrand, donc l'entrée des joueuses du Drôme Handball Bourg-de-Péage et je vais te laisser faire la présentation. Merci Roger, sachant que juste par rapport à Stella, il y a beaucoup de jeunes avec quelques expérimentés, donc ça va être une alternance de jeux atypiques et de jeux un peu plus organisés. Donc avec des joueuses à qualité, on espère qu'elles vont pouvoir... poser des problèmes au péage pour qu'on ait le même match que la dernière fois. Ah oui, avec plaisir. Allez, j'entends une musique qui change là. Oui, pour la rentrée des péageoises accompagnées de leur abeille. Belle abeille qui pique. Ouais, en espérant qu'elle pique la Stella. Et qu'elle ne la boive pas justement. Donc c'est Hélène Falcon qui rentre en premier pour son deuxième match à Bourg-de-Péage. En espérant qu'elle connaisse la victoire avec son équipe ce soir, puisqu'elle, son premier match en tant que joueuse, a été un match nul. La deuxième gardienne, Alves Farocco Carmen.
Donc là, on peut remarquer que les joueuses rentrent avec les moins de 14 de Saint-Marcel-les-Valences. Clarisse Jeannette, la numéro 2, qui commence à monter en puissance pour une jeune. Là, elle est en train de prendre sa place, c'est très bien. Maria Jančić, la grande serbe. Eh oui, Marianne, oui. Avec sa compatriote Marina Zivkovic. Cindy Champion à l'arrière droite qui est assez en forme en ce moment. Amina Tasso, la pivot qui vient de Mios à la moitié mi-saison. Donc il a annoncé Romane Fréquent, mais Romane Fréquent est blessée. Donc elle ne jouera pas, Romane Fréquent. Eva Turpin, la numéro 13. La Donatienne. Et oui. Chloé Vigneault, la Feu Follet. Chloé, que l'on aime tout particulièrement sur Mistral TV avec ses sons. Elle a quand même réussi à trouver une joueuse qui était plus petite qu'elle. Ouais. Madeleine Boudard, l'arrière droite qui a été très très bien contre le Havre. Espérant qu'elle continue parce qu'elle est seule à l'arrière droite. Alice Tremblay, qui va jouer sur les ailes. Et Noémie Barthélémy, la deuxième pivot. Vu son gabarit, elle rentre avec deux joueuses. Et entraîneur Camille Comte. Et donc, voilà, donc avant de commencer, peut-être qu'on peut annoncer quelques petits événements au niveau du handball. Bien sûr, il y a des choses qui vont arriver rapidement au mois de mars. Ça commence par il y a un stage national de l'équipe de France jeune qui va avoir lieu du 14 au 20 mars à Baudepéage. Et il y aura une opposition le mercredi soir à 20h entre l'équipe de France jeune et Baudepéage, donc qui sera ouverte à tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir voir les futurs talents du handball féminin face à l'équipe de Baudepéage. Ça, c'est la première. Ça, ce sera le 16, le mercredi 16. Et le 27 mars, il y a les quarts de finale de la Coupe de France, celle dont on avait parlé déjà la dernière fois. Ah oui, et oui, et oui. Donc, les deux clubs de Guiran sont qualifiés donc, en régionale féminine et masculine. Donc, eux, ils joueront en Bourgoin pour leur quart de finale. Et s'ils gagnent, ils enchaînent la demi-finale. Et autant, le 27 au soir, les deux clubs iront à Paris pour jouer la finale. Donc, d'accord. On peut espérer ça. Et on a en départemental Saint-Vallier, qui est qualifié en garçon, qui eux vont jouer à Andrézieux leur quart de finale. Donc voilà, il y a 4 Coupes de France, 2 régionales, 2 départementales, et on a encore 3 équipes, donc c'est très bien. Le comité est très fier de... Eh bien, en tous les cas, de la participation de ces équipes, Romar Deschoises, en c'est tous ça, les cas. Très fier d'arriver jusque-là. Bien sûr, bien sûr. On leur souhaite bonne chance à tous. Voilà, et eh bien, ces annonces faites, et on voit les filles qui se congratulent les unes envers les autres, et... pour cause, il faut qu'on se motive hein, pour rentrer dans la partie. On rappelle hein, que c'est un match de deuxième division féminine hein, et on est toujours très très fiers de pouvoir vous présenter ces filles qui aujourd'hui font, enfin en tous les cas cette année, font un parcours beaucoup plus intéressant que celui de l'année dernière, et on a vraiment vraiment plaisir à les suivre sur Mistral Télévision. En plus, c'est très bien pour le handball féminin, pour la femme en général, puisqu'on est bientôt près de la journée de la femme, et le club a pris une initiative intéressante. On a vu juste avant la prise d'antenne l'entrée de la Véor et du rugby de l'USRP, et ils ont voilà pour faire participer tout le sport féminin de la Drôme. Donc une belle initiative prise par le club dans le cadre de la féminisation. Ça fait du bien un petit peu. Et on les aime les femmes, et on les aime Bertrand. Hein. Surtout nous. Bien, allez, dans quelques minutes maintenant, le coup d'envoi, un coup d'envoi qui va être donné dans ce complexe du Vercors. Oui. Oui, un coup d'envoi fictif donné par le partenaire du match et donné par une femme du partenaire du match. Donc, voilà, c'est on ça. On reste dans le modèle de la soirée. Avec un complexe qui est aussi bien rempli, ouais. Hein, peut-être pas autant que contre le Havre, mais en même temps ça continue un peu à arriver. Donc ouais, voilà. Puis le match est aussi moins, parce que Stella Saint-Maur est 8e, donc un peu moins bien classé que le Havre. Donc voilà, donc c'est aussi ça peut jouer. Donc on va voir en espérant que les Péageoises arrivent à retrouver le chemin de la victoire. Et oui, tout à fait. Parce que là, c'est vrai que le championnat de D2 là est quasiment est fini. Hein, oui, fini. Tu annonçais déjà hein, Brest voilà. Champion. Bah, Brest va être champion. Même si mathématiquement, c'est pas fait. Oui, c'est pas fait, mais bon, Brest est vraiment au-dessus du lot.
Chambresse va se finir finira deuxième. Puis après, il y a juste une, voilà, sur la troisième place, où il y a Beaupéage à 34, Youth à 34, Noisy à 33, et celle sur Belle à 31, qui peuvent encore voilà, espérer glaner cette place-là. Donc, allez, c'est parti, coup d'envoi donné par monsieur l'arbitre. Et première possession des filles, des jaunes, des dromoises ou des abeilles, je ne sais même pas si on ne peut pas les appeler les abeilles, avec voilà, des passes qui vont qui sont transmises les unes pour les autres, avec, oula, avec une faute, même pas, avec premier arrêt, très très bon arrêt de la gardienne de Saint-Maur qui doit être... Dommage, parce que là on a vraiment vu une action très intéressante où on voit Stella Saint-Maur qui défend en défense 1-5, qui défend en défense 1-5, donc qui monte sur le demi-centre, et on a vu Cindy Champion qui a bien attaqué son ballon. Là, Eva Turpin a fait une passe au bleu. Et 2-0. Ça va vite là. Oui, oui, bah, elles ont voulu jouer vite, l'engagement rapide, et puis Eva Turpin a balancé la balle. Peut-être qu'à l'entraînement, elle doit être avec les chasubles bleues, donc là, elle a décidé de faire la passe au bleu. Donc voilà. Par contre, il faut qu'elle se dise qu'elle est avec les jaunes. Eh bien, Saint-Maur qui n'est pas venu pour rien pour le moment, puisqu'elles entament en tous les cas un début de rencontre assez intéressant. Et elles mènent déjà 2-0. Il va falloir voilà, peut-être maintenant trouver. Oula, reprise. Il y a faute, mais voilà. Dommage que Eva même fasse pas son schwenker un peu plus tôt. Boum, voilà, allez, premier but de la Dromoise. Eva Turpin. Eva, voilà, numéro 13, Eva Turpin, qui a reçu un coup en même temps, je crois, dans le bas-ventre. Oh, elle est gaillarde, Eva. Ouais, elle se tient un peu le ventre, mais bon. Oui, oui, bien sûr, c'est du costaud, hein, on le sait, on l'a vu. Et voilà, donc avec. Donc là, on va voir maintenant en défense, ça va être vraiment là, voir si Stella Saint-Maur va être capable de trouver des solutions ou pas face à la défense de Beaupéage, qui est quand même assez intéressante dans la densité physique. Voilà, passage en force, voilà. Voilà, et donc première faute de Saint-Maur, sifflée. Et avec maintenant les filles de Bourg-de-Péage. Oh, très très belle passe en pivot et but. Voilà, but de Noémie Barthélémy qui a pu, grâce à son retour né en pivot, eh bien, tromper la gardienne qui n'est ni plus ni moins que Karen Gadella. Ouais, donc voilà, ça va vite au moins balle. Hein. Il y avait 2-0 pour une bonne défense, une belle montée de balle. Eva Turpin qui va vers la cage et Noémie Barthélémy qui glisse dans le dos de la défense là. Donc c'est très bien. Et Noémie se rattrape de son tir raté sur l'action d'avant. Allez, Eva Paliès là. Oula, non, c'est. Il y aura plus voilà, Eva Paliès, c'était là. Oui, oui. Tout à fait, avec un tir complètement raté. En tous les cas, elle a tenté de surprendre. Et c'est un ballon qui est passé à droite avec une. Oh là là, dommage. On a confondu vitesse et précipitation. Et malheureusement, le geste de Madeleine Boudard de recevoir ce ballon, elle l'a vu arriver beaucoup plus vite qu'elle n'a pu exploiter ce ballon. Avec un. Voilà, eh bien, très très bel arrêt. Et une faute, voilà. Ouais. Sifflé. Et il est obligé de siffler faute parce que sinon, la voiture pas marche là. Parce qu'elle met son corps au sol, elle met son pied dans notre pied, elle met sa main, donc ça fait un appui. Ah oui, d'accord. Et oui, sinon, voilà, s'il ne siffle pas faute, s'il n'y a pas faute, il y a marché. Hein. Oui. C'est la main au sol et gagne un appui. Bon, eh bien, c'est trouvé. Allez, avec Marem. Un tir. Ouh, on a tenté peut-être de trouver le centre là. Ouais, dommage. L'idée était bonne, mais la réalisation un peu moins. C'est parce que Madeleine Boudard s'attendait pas du tout à la passe de Cindy Champion alors qu'elle était en pivot. Et cette passe-là est très très intéressante. Encore une perte de balle. Je crois que les filles sont un petit peu déconcentrées là en ce début de partie. Avec la numéro 37 et but de Eva Paliès. Voilà, donc c'est les séries de 2-0. Dommage parce que là, pareil, là il y avait la situation. Après, c'est un problème de timing. Un petit problème de timing, puisque là, il y avait vraiment une belle situation de décalage sur un engagement rapide où Clarisse Jeannette est venue sortie de son aile gauche et du côté droit. Et les défenseurs sont restés de l'autre côté. Il y avait décalage. Et malheureusement, manque de précision, comme sur la passe sur grand espace. Oups, sanction disciplinaire. Oui, là, c'est un carton jaune. Ouais, c'est minimum carton jaune, parce que là, il y a vraiment... Une grosse faute. Hein. Oui, oui. Une grosse faute sur Cindy Champion, là. Qui par contre, il faut que Cindy retourne, parce que la 52, là, c'est quasiment sûr que l'action d'après... Les arbitres vont
vont voilà. peut-être sortir. C'est un petit peu trop de, voilà. trop de chichi là. C'est ce qu'on appelle la programmation du jeu. Ouais, superbe but là. De Clarisse Janet. De Clarisse. Donc ce qu'a fait Cindy Champion, elle est toute seule, personne entre elle et la cage, mais c'est ça, c'est, la programme, c'est qu'elle a déjà programmé de faire quelque chose. Et c'est voilà, ça. Et donc c'est un petit message à tous les entraîneurs de jeunes, faut pas le demander à vos jeunes, jeunes joueurs, d'être sûr de réaliser ça, puisque même les joueuses de bon niveau sont pas capables. Oui, enfin en tous les cas, elles ont fait peut-être l'erreur d'initiative de ne pas la prendre justement au moment où il aurait fallu. Allez, les filles, là, faut bien défendre là pour tenter peut-être et pourquoi pas un contre super barré de la gardienne numéro 1, Hélène Falcon, qui fait un bon début de rencontre et un carton jaune là. Oui, pour une sanction différée, c'est-à-dire que Noémie Barthélémy, quand le ballon partait sur la droite, avait poussé a poussé le pivot, poussé une joueuse. L'arbitre l'a vu, mais a laissé le jeu continuer, puis elle revient en mettant une sanction différée, on appelle, une sanction disciplinaire différée. Elle est c'est bien arbitré. Ça permet au jeu de vivre. Et champion qui donne à Zivkovic. Et bien, c'est une égalisation de Marina. À mon avis, ça va être un match où il va y avoir beaucoup de buts. Hein. Ça défend pas beaucoup du côté de Saint-Maur. Ça perd quelques ballons du côté de Pont-de-Péage. Donc, avec des Saint-Maur qui montent bien le ballon. Donc, ça va être un match ouais, plaisant. Voilà, on calme un petit peu le jeu là. On va essayer de se recentrer du côté de Saint-Maur pour tenter de trouver la faille dans la défense drômoise. Et voilà, eh bien on a fait de la danse, on a valsé un petit peu Bertrand. En tous les cas, c'est un geste... C'est très très bien défendu de la part de Eva Turpin. Dommage que l'arbitre s'y faute de Marina. Ouais. Oula, et on tire encore à côté. Tire par-dessus, voilà. De toute façon, il faut qu'elle tire, c'est comme... Si elles veulent que les défenseurs montent, il faut tirer, sinon... Oui. Allez, avec Marina, encore une fois, avec une passe en pivot pour Cindy Champion. Non, c'est pas Cindy Champion. Non, c'est Noémie Barthélémy. Noémie qui, malheureusement, n'a pas su... Elle était trop ceinturée, en fait. Hein. Bah ouais, et puis la passe était un peu approximative, quand même. Et Marina, Champion... Voilà, donc on est dans les 2-2. Il y a 2-2, 2-0, 2-2. Oula, avec une faute encore, là. Il faut que Marina elle fasse vivre le ballon et quand dans la circulation de balle, il y aura des moments où elle pourra y aller pour elle. Parce qu'on sent qu'elle a du jus. Champion. Pareil pour Cindy, il ne faut pas se faire attraper balle en main. Allez, va Turpin là, qui va tirer sensiblement, bien arrêté par la gardienne là. Qui renvoie vite une contre-attaque menée par les filles de Saint-Maur. Et belle interception là, Bertrand. Ah, c'est dommage, dommage qu'on... Hop, puis on va le perdre ce ballon. Non, c'est bon. Ouf, c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire là. Elle avait déjà dribblé. Le problème, c'est qu'elle était un petit peu... Elle sentait qu'elle était court physiquement, donc elle a préféré attendre. Elle a bien attendu. Par contre, les joueuses n'ayant pas suivi son action n'ont pas forcément donné une bonne solution pour Madeleine Boudard. Alors, je ne sais pas si c'est la colle, mais Eva Turpin, ça fait déjà deux fois qu'elle... Voilà, et elle vient de marquer là, Eva. Je te confirme, elle a de la colle. Ouais. Alors là, il y a deux fautes. La première. Non, c'est Noémie Barthélémy qui s'est pris les pieds, je sais pas dans qui. Elle est tombée, et puis derrière, Eva Turpin va arrêter le jeu. Va arrêter Kopkar. Alors, que je me trompe pas, c'est Podar. Podar. On va l'appeler Podar, hein. Allez, on fait circuler la balle là, du côté des filles de Saint-Maur avec cette position. Et Déborah Baudard, ouais, comme tu l'as annoncé. Et marché. Au passage en force plutôt. Oui, passage en force. Passage en force. C'est-à-dire que là, le défenseur, il est immobile. Bien joué. Oh, c'est beau ça. Oh, superbe. Alors, ça, c'est un super mouvement. Excuse-moi, Bertrand. Mais superbe mouvement conclu par Cindy Champion. Ouais, c'est une belle de beau jeu. Toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas se faire attraper balle en main, faut arriver à attirer le défenseur pour être capable de libérer la balle. Elles l'ont très bien fait. Et même là, Cindy, donc elle a tiré, elle a marqué, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a encore une passe supplémentaire faisable sur l'aile. Puisque Madeleine Boudard était toute seule. Ouais, tout à fait. Allez, c'est bien, on aime les voir jouer comme ça, les filles. C'est
Alors attention avec un tir de loin. Oula, quel grosse, quel gros boulet de canon là de la numéro 17, Fanta Keita. Ah, c'est très bien joué. Ouf. Allez, il faut le récupérer, voilà, peut-être sur l'aile, voilà, Madeleine Boudard. C'est très bien joué, c'est comme votre PH défend en 0-6. Si tu tires pas de loin, tu vas pas, tu ne le forces pas à monter vers toi, donc c'est une solution. Puisqu'elles ont vu que pour essayer de traverser, elles n'arrivaient pas à traverser la défense, puisqu'elles étaient assez solidaires et qu'il y avait des, ça créait des passages en force. Allez, champion là. Allez, ceinturé, voilà, on arrête. Oui, alors. Il faut qu'elle arrive à éviter son adversaire. Cindy Champion, qu'elle n'aille pas sur elle. Si elle ne va pas sur elle, elle va prendre des sanctions disciplinaires. Comme fait Eva, là, très bien. Allez, Zivkovic, là, qui a la balle avec une passe sur l'aile pour Clarisse. Non, intervention de monsieur l'arbitre qui vient rappeler. Dommage, il dit qu'elle a marche. Alors, il y a faute sur elle et qu'elle derrière, elle marche. Il n'y a rien. C'est Eva, elle se baisse. Ouais. Par contre, elle peut aussi jouer avec son ailière gauche. Ouais, là c'est tranquille et c'est très très bien, très très bon mouvement du poignet là qui permet à ce ballon de rentrer. Ouais. Belle chabala de Zoulaï Aguirre. Je pense qu'elle n'est pas française. Je pense qu'elle est espagnole. C'est peut-être. Vrai, ça doit être espagnol ça. Allez, champion Zivkovic, on transmet maintenant, on revient. Avec un tir, oh là là, quel tir en force! Eh bien écoute, je la trouve impressionnante, Cindy Champion, là, avec une force de frappe qui est assez intéressante à observer. Hein. Bah, Cindy Champion fait une très très bonne saison à Baudepéage. Elle prend ses responsabilités, c'est bien. Ah, alors, là, on a très bien défendu du côté de Noémie Barthélémy et on se fait quand même malgré tout sanctionner. Il y a faute sur elle quand même. Hein. Donc les défenseurs ont comme objectif d'aller toucher le défenseur. Oula, et ben bien défendu et ouais. Bel arrêt. Je dirais pas très bien tiré quand même. Ouais, ben oui. Pas une motricité d'ailière, hein. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, voilà, ça c'est un but tout en finesse de Marina Sivkovic là qui montre son talent et sa capacité à être explosive. Ouais, Marina montre son jeu. Hein. Son jeu, c'est de duel et de traverser la défense en alternant le jeu collectif avec les passes. Elle a quand même elle a une très bonne relation avec ses partenaires. Donc. Allez, nouvelle possession de Saint-Maur qui est menée de deux petits buts maintenant, mais qui reste collée avec une passe et on pousse dans le dos. On est sanctionné. Donc, Eva Turpin. Non, c'est Cindy Champion qui prend. C'est sur la faute de Cindy Champion. Ah oui, d'accord. C'est pas la poussette de Deva qui est sanctionnée. D'accord, très bien. Bien, très bon observateur. Hein, cher. Allez, fais la relance. Bertrand. Allez, dommage, une relance peut-être maintenant avec ce but de Clarisse. On y va. Et ouais, super barré encore. Bien engagé. C'est dommage, presque. Ouais, dommage parce que c'est Hélène qui doit faire la passe. Parce qu'elle avait vraiment de l'avance. C'est Hélène qui doit faire la passe. Ouais, on est gêné. Et après, elle a hésité. On voit la jeunesse. Hein, elle a hésité entre revenir vers l'intérieur ou accélérer sur l'extérieur. Et ce temps d'hésitation lui a diminué le temps de réaction par rapport au tir. Et elle va forcément se retrouver à tirer vite. Alors qu'elle est capable de faire plein de choses. Elle a les qualités pour. Mais c'est bien. Elle fait. En début de saison, elle ne jouait pas. Hein, donc. Avec Baudard là qui. Ah. Qui s'est fait surprendre par la belle défense de Cindy Champion. Allez Marina avec Eva Turpin. Oh la pleine lucarne. Superbe but de Eva Turpin qui s'est élevée plus haut que toutes et qui a trouvé la lucarne. Ouais, ça c'est parfait. Hop, pareil, ça c'est bien. Mais voilà, Hélène est vigilante. Il y a le contre. Allez, on va peut-être creuser l'écart là. On sent effectivement que la machine se met en route petit à petit. On a fait une défense. La 52 va bientôt sortir. Je pense va bientôt prendre 2 minutes parce que l'arbitre arrête. J'ai mis un avertissement et arrête pas de lui dire attention, attention. Adeline Alemou, ouais. Qui Et un petit l'engagement physique y est, c'est très bien. Mais par contre, voilà. Ils sont gentils avec elle. Ils sont vraiment gentils. Ils sont vraiment gentils avec elle.
Ouais, mais je pense que là, le public a compris, il commence un peu à siffler pour manifester son mécontentement face à cette défense un petit peu trop serrée, disons. Hein, de notre ami. C'est pas très réglementaire, puisqu'elle est dans le ceinturage. Une faute. Et quand Marina ne prend pas la balle, c'est Eva Turpin qui finalement, ou Madeleine Boudard qui est un petit peu à l'observation de l'erreur de sa collègue. Elle était bien placée, Madeleine, par rapport à tout à l'heure, je pense que ça lui a servi, parce que quand Cindy Champion voulait jouer avec elle, elle n'était pas disponible. Là, elle a été disponible. Et par chance, Noémie Barthélémy n'attrape pas la balle, et le ballon lui revient dans les mains. Mais elle est présente, donc... Allez, un pénalty de Cindy Champion là, ce serait bien de le réussir. Oh, ah oui, alors ça c'est carrément, il n'y a plus de toile je pense, en haut à droite, dans la lucarne, Bertrand. Ouais, premier temps mort de Samir Messaoudi. Pourtant il a été tactiquement, il a essayé de reposer des problèmes puisqu'il a fait une 1-5, après une 1-5 décalée, il repasse en 0-6. Il alterne, mais votre péage là, s'il ne trouve pas des solutions en attaque, il va, ça sent bon pour votre péage. Parce que défensivement, elles ont vraiment le dessus sur Stella, qui malheureusement, je trouve, ne joue pas assez collectivement, mais faut pas assez bouger la défense de Baudepéage. Alors que vous voyez sur deux écrans séparés et à la fois la discussion de l'entraîneur de Camille Comte pour les filles et pour les Drômoises et de Samir Messaoudi là en ce moment qui fait part de ses recommandations et notamment de ses plans sur tablette là pour essayer un petit peu de repositionner ses filles puisqu'elles sont menées de 4 petits points. Et il faut faire toujours un petit peu attention, même si on rattrape rapidement le score, il faut toujours faire attention de ne pas trop se faire distancier en tous les cas. Voilà, donc là, le temps mort, c'est vraiment un temps mort tactique parce qu'ils étaient bien en place, ils avaient fait un choix tactique intéressant, la 1-5, qui posait au début des problèmes à Baudepéage. Baudepéage a très rapidement su combler résoudre les problèmes. Et par contre, eux n'arrivent pas à résoudre les problèmes de la défense de Baudepéage. Donc, un petit tour là. Et oui, on voit qui est suivi par nos caméras. Aujourd'hui tenu par Gérard Desailly, Didier Santiago et Maël Galland. Et notre photographe présent ce soir, c'est Guillaume Boulet. Voilà, c'est dit. Une petite nouveauté bientôt sur Mistral TV. On va rajouter un petit peu les photos des différents bénévoles qui œuvrent avec un arrêt superbe là, qui œuvrent pour Mistral TV pour que vous puissiez un petit peu les découvrir puisqu'il y en a qui passent souvent devant comme Bertrand et comme moi-même et d'autres qui sont derrière les caméras et c'est important de les avoir avec Clarisse qui s'élève et qui marque. Superbe but de Clarisse là sur l'aile. Ouais, c'est très bien, c'est bien joué. Là quand on fait vivre le ballon, c'est pas touché, ça vient sur nous, on les libère la balle, c'est très bien. Par contre, c'est par rapport au temps mort de Samir là, et tu prends un but derrière, tu marques pas, tu prends un but, c'est quand même toujours négatif. Voilà, 11-6 pour les Drômoises maintenant, avec une possession de Saint-Maur. Ouais, là, on est passage en force encore une fois, toujours. C'est bien, elles sont solidaires en défense. Et c'est dommage pour Saint-Maur parce qu'il manque la petite passe. Oh, dommage. Dommage que ce tir passe au-dessus, mais c'était rondement bien mené ce contre-là par Madeleine Boudard notamment. Non, c'est bien joué. Après, Marina tire par-dessus. Il fallait le faire. Mais après, elle n'a pas réussi à la défense a bien défendu pour l'empêcher de redescendre son tir. C'est Eva Turpin, pardon. J'annonce Madeleine Boudard, mais c'est Eva Turpin. Elles se ressemblent un peu. Oui, tout à fait. Elles ont la même petite queue de cheval. Même blonditude. Oui, tout à fait. Oui. Allez, avec peut-être maintenant un tir qui va se déclencher, le bras levé, comme l'indique l'arbitre, il va falloir faire quelque chose. Hop, et voilà, et on perd le ballon. Et là, il faut monter la balle. Il faut jouer peut-être rapidement là. Très bien, Eva. Ouais. Et là, bravo. Bravo à la gardienne Karen Gadella là, qui a fait un super barré. Ouais, après, Noémie, c'est son troisième tir au même endroit. Premier, elle l'a raté, deuxième, elle marque, celui-là, elle rate. Quand on fait 1m85, peut-être c'est plus judicieux de tirer par-dessus la gardienne qu'en bas, sur une gardienne qui n'est pas très grande non plus. Surtout que les lucarnes ont été plutôt pas mal trouvées là jusqu'à présent. Donc normalement, les araignées ne devraient pas empêcher le ballon de rentrer.
Ou alors, elles sont fortes. Hein. Encore un marché là. Ouais, là, il n'y a rien là, rien du tout. C'est le. Ouh, alors Madeleine voilà. Boudard là qui s'élève. Ah, qui voilà qui. Qui a trouvé. Et, oui. Et 2 minutes. Et 2 minutes pour la capitaine qui est venue par derrière. Après, c'est un peu méchant parce qu'elle fait vraiment pas action de jeu. Elle revient puis elle s'arrête. Et Madeleine Boudard a bien joué. Et j'aurais plutôt misé sur la 52 quand même pour prendre le 2 minutes plutôt que sur Marlène Guillon. Ouais, Marlène qui a malheureusement a subi un petit peu peut-être les frais hein, aussi. Hein, de, ouais, de, bah après c'est la déception parce qu'on lui siffle marché alors qu'il n'a pas marché. Parce que c'est un. Ouais, c'est. Voilà. Donc après, généralement. Ah, fameux Sazu. Tiens, on va pouvoir parler des nouvelles règles pour l'année prochaine si tu veux. Allez, bah vas-y, donne-nous un petit peu de. Il y a des nouvelles règles là, qui vont commencer au 1er juillet. Par exemple, le chasuble, là, par exemple, tu verras plus le chasuble. Par contre, le gardien pourra sortir, mettre un autre joueur de la même couleur que les joueurs. Par contre, aucun joueur ne pourra rentrer dans la zone s'ils n'ont pas eu le temps de faire le changement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir que le gardien qui rentre dans la zone. D'accord. Voilà, donc ce sera un peu plus clair pour tout le monde parce que tout le monde ne comprend pas tout. Et Clarisse qui a récupéré le ballon. Ouais, tu nous réexpliqueras ça le jour, effectivement. Oui, l'année prochaine, quand tu. Voilà. Oh, et Madeleine Boudard. Voilà. Ah non, pardon, c'est encore Eva Turpin, excusez-moi. Et oui, Eva Turpin qui eh bien, a trompé le gardien de manière plutôt magistrale. Non, un très beau tir par-dessous. Là, on appelle un tir dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a le défenseur, je tire derrière le défenseur parce que le gardien protège de l'autre côté. Et quand j'arrive à tirer là-bas, généralement pour le gardien, c'est difficile d'aller arrêter la balle. Et les cartes se creusent. Hein. Je suis en train de regarder 13 à 6. Il y avait 10-6 au temps mort. Hein. Ouais, donc, ouais. Et là, il peut prendre encore un deuxième temps mort, mais quelle utilité de prendre ce deuxième temps mort. Parce qu'après, il ne restera plus qu'un en deuxième mi-temps. Et on rappelle hein, qu'elle joue à 10 à 5 qualifie pour le moment. Ouais, oh une de moins. Faut tirer peut-être. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Avec Clarisse qui dribble. Ouais. Dommage. Mais bien arrêté quand même. Karen Gadella là, qui a fait un retour. Ouais, qui est. Elle est longue. Non, ça va. Oh, non, presque, non. presque. On tente, on a un petit peu de l'avance, on tente peut-être un petit peu des choses, on se sent un peu trop fort. Bon, il faut faire attention. Il n'y hein. de... a pas de souci, il faut oui, le faire. Oui, bien sûr. Après, bon. En 20 minutes, il y a 13 à 6. Tu n'es pas du tout en difficulté en défense. Sur les 6 buts, il y a eu 3 contre-attaques et un penalty. C'est-à-dire que tu prends que 2 buts en attaque placée, c'est quand même. C'est quand même intéressant pour pouvoir après tenter les choses. Mais tu vois, Bertrand, on regarde la défense. Bon, là, ça va, c'est trouvé hein, par justement notre numéro. Oui, c'est. Baudard. C'est une jeune espoir. Mais quand on regarde la défense des handballeuses de Bourg-de-Péage, on les sent quand même bien concernées hein, par la défense, justement. Et elles laissent très, très peu d'espace. Ce qui fait que, oula, avec une faute là, ce qui fait que, eh bien, ça gêne considérablement l'attaque de Saint-Maur. Oui, tout à fait. Et puis bon, Saint-Maur surtout n'a pas les armes pour qu'on. C'est-à-dire, sur une défense comme ça, il faut arriver à. Alors, il y a deux choses à faire, c'est tirer par-dessus, comme avait fait leur arrière-droite, ou essayer de mettre du jeu collectif qui fait qu'on isole d'un côté pour après essayer d'aller marquer de l'autre côté. Et elles ne sont pas capables, elles ne le font pas. Donc c'est dommage parce que Samir Messaloui est un très bon tacticien. Et là, défensivement, c'est très bien ce qu'il propose. Parce qu'il n'arrête pas d'alterner. On voit qu'il y a des changements. Ils ont fait 1-5 avec la joueuse devant. 1-5 décalé sur Cine Champion. 0-6. Là, ils sont en train de faire une 2-4. Donc ils proposent des choses qui sont très intéressantes. Qui essaient de poser des problèmes à Bourg-de-Péage. Mais en attaque, dommage, elles ne le font pas. Les joueuses n'arrivent pas à. Alors que Cindy Champion vient de tirer un gros boulet. Son bras malheureusement a heurté celui d'une défenseuse de Saint-Maur. Ouais, là, et le ballon est parti un petit peu dans les nuages. Alors qu'on voit que, regarde, tu vois, je te disais, le public commence un peu à. Ah oui, commence à avoir pas. Ouais, un petit peu moins de monde quand même que contre. Mais il y a du monde. Hein, une faute. On les voit pas bien les numéros hein, des filles de Saint-Maur là. Ouais. C'est en or comme ça. Déborah Baudard qui a tiré. C'est joli de près, mais ouais. Là il faut qu'elles aillent au tir. Là. Bien défendu. Et voilà, ballon récupéré par Hélène Falcon. Oups. Et maintenant, il va y avoir une petite sanction différée, je pense. Avec Marine. Non. Il y a une sanction différée, oui, normal. C'est normal. Deux minutes. Oui. 2 minutes pour la numéro 27. Aurélie Goubel. Aurélie Goubel.
qui va venir un petit peu se reposer et parler un peu avec ses coéquipières. Et du coup, eh bien, on joue encore en supériorité numérique du côté des Dromoises. Et c'est de bon augure. On est tout à fait à l'aise. On n'est pas stressé avec Bertrand sur un match comme celui-ci pour l'instant. Allez, Madeleine qui va probablement s'élever. Oh oui! Et ah, ah non! Il siffle. Ref... Passage en force peut-être, non? C'est... Alors, ça, il siffle passage en force. Il peut le siffler, mais par contre, il ne faut pas qu'il fasse le geste qu'il a fait où Madeleine a enlevé la joueuse. Elle n'a pas enlevé la joueuse. C'est surtout le défenseur qui a beaucoup crié. Oui. Donc, plus tu cries, plus tu as le ballon. Il faut qu'il fasse attention les arbitres. Parce que les joueuses, après, peuvent jouer, rentrer dans ce jeu-là. Il peut le siffler parce que Madeleine va pas forcément dans l'espace, mais faire attention à l'explication qu'on va donner. Allez, avec les filles de Saint-Maur qui tentent. Oh là là, là on pousse un petit peu, mais c'est faute, donc on revient. Non. On vient. Ah, il y a Chloé Villemot qui a perdu sa chaussure. Chloé qui est rentrée il n'y a pas très longtemps et qui perd déjà sa chaussure. Nous, on l'a vu, nous. J'espère que la caméra l'ont vu aussi. On va voir ça. Oh, et un tir qui est raté, malheureusement. Et ouais, elle peste un petit peu, notre ami Déborah Gbaudard, là, mais il n'y a pas de faute. Ouais, pour l'arbitre, il n'y a pas faute. Donc il, voilà. Mais par contre, s'il avait sifflé quelque chose, c'était pénalty. Puisqu'elle était en occasion manifeste. Allez, de allez, Chloé, allez, Marina. Madeleine qui tire sur la gardienne. Ouais, ouais, qui tire. Toi, tous les tirs, toi, cette gardienne-là est très bien. Sont tire à mi-hauteur. Alors, tu vois, Clarisse, elle ouais. Tire à mi-hauteur. Noémie tire à mi-hauteur. Madeleine tire à mi-hauteur. Par contre, dès que tu tires en haut, on l'a bien vu sur le penalty et ouais. Différents tirs de Cindy Champion. En haut, c'est impossible pour elle d'arrêter la balle. Donc, je pense que Camille Comte va le dire aux joueuses. Au PF. Là, c'est pareil. Là, il y a passage en force. Ouais. Bah, du coup, ça fait quelques minutes quand même qu'on n'a pas assisté à des buts. On va peut-être réagir au prochain. Oui, surtout qu'elles sont une de plus, voilà, donc elles auraient pu. Mais après, peut-être que l'intensité retombe un petit peu là. Après 20 bonnes premières minutes, où Baud de Péage menait 13 à 6. Ouais, bien défendu là de. Voilà, et elle tombe dans le piège, Déborah Podard, je vais y arriver. Oui, puisqu'elle est en train de toujours parler avec l'arbitre. C'est pas l'arbitre qui fait que tu perds. Alors, qu'est-ce qui se passe coup, là? Il y a coup au visage de Amina Tasso sur Aurélie Goubel. Bah, voilà, oui. Après, Aurélie Goubel est quand même beaucoup plus petite qu'elle. Elle a mis ses bras devant et c'est, voilà. Mais bon, ça peut ça se siffle. Ouais, Aminata qui n'a pas de chance. Elle vient de rentrer ouais. Et déjà, elle sort. Donc, mais bon, c'est ah, faut ça. Il faut plus la protéger. Il faut plus qu'elle se protège, qu'elle soit plus avec les autres et que les autres viennent plus avec elle. Avec un tir qui passe à gauche. Il y a toujours notre numéro 3, Déborah Gbaudard. Ah. Alors, Maria Jancic qui rentre. Prise en strict de. Ah, double prise en strict. Allez, Jancic, ouais, tout à fait. Des deux feux follets. On va voir après qu'est-ce qui va se passer. Et bien pied, voilà. Il y a pied. Il le voit pas, mais il y a pied. Allez, avec un ballon là qui. Ouais, avec. Oh bien bah. Défendu, dommage, bien défendu, une petite faute, c'est normal. Chloé Villemot qui avait bien récupéré ce ballon, malheureusement, on le redonne. On est un de moins hein, ouais. pour les Dromoises, je rappelle. Hein. Une de moins jusqu'à la 26 et des poussières. Voilà, c'est ça. On va essayer d'en profiter hein, du côté de Saint-Maur, mais ça défend toujours même bien quand on est. Ah bah voilà! Et ben voilà, donc un trou de souris laissé par à cette ouais, numéro 15. Contre, Eva Padiès. Par contre, celui-là, il est pour Hélène Falcon, puisque là, il y a le contre. Quand il y a Maria Jancic qui fait 1m90, qui lève les bras et que. Donc elle peut pas. Eva Padiès n'aura pas pu marquer sur la droite. Et donc elle ne doit pas prendre ce but sur dans son côté. C'est par rapport à ce que j'expliquais, l'ombre, tout ça. Voilà, c'est important quand on est gardien de but de ne pas prendre le but quand c'est pour notre partie de la cage. D'accord. Le défenseur prend une partie et moi je prends l'autre partie. Donc là c'était pour Hélène Falco. On ne peut pas lui en vouloir, hein, elle fait un très bon match. Et puis elle n'a pas beaucoup de tirs donc c'est pas forcément évident de se mettre tout le temps dedans. Ah, donc là Camille Comte prend, on va voir s'il va prendre le même temps mort que Samir Messaoudi.
puisque Samir Messaoudi avait pris le temps mort à 10 à 6 et il y a eu 13-6 derrière. Donc là, il y a un 2-0 pour Stella Samor depuis le temps mort sans mort. On va voir ce que Camille Comte va demander à ses joueuses pour essayer d'aller remarquer un but. Voilà, un nouveau temps mort. Là, ça a été demandé par les Dromoises, enfin par l'entraîneur Camille Comte, là, qui a donné un petit peu les recommandations. Oui, il y a encore quelques secondes de pénalité là pour. Ouais, est-ce qu'elles sont en difficulté? Hop là, regarde, toi, maintenant ils font une 3-3, toi. 3 joueuses devant avec 3 streets. Ouais, ouais, voilà. Ça, c'est intéressant. Hein. Allez, Marina. Qui va... Oh là là, avec une interception là. Ouais, c'est, ouais, normal, ouais, c'est, ouais, normal. Et c'est bien, très bien tactiquement ce qu'ils font. Samor. Ah, par contre. Ouais, là par contre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il y a faute sur la passeuse. Voilà, donc c'est. Non, pas de soucis, il y a faute. Je pense que c'est un endroit de la faute qu'on joue. C'est Aguirre qui a essayé de faire la passe et qui a raté sa passe. Alors qu'il y avait faute sur elle, il n'y a pas de. Et petit à petit, on voit que eh bien, Samor remonte tranquillement. Ils sont plus qu'à 5 points. Elles sont très joueuses, Samor. Hein. Ouais. C'est comme tu vois, là c'est difficile pour Maria Jantic, là, qui fait 1m90, de défendre sur des Aurélie Goubel qui ne sont pas très grandes. Donc elle, forcément, les mains sont hauteur de visage. Elles vont lever le bras, je pense, dans pas très longtemps. Voilà, toi. Ça joue vraiment pas. Et comme ça défend bien du côté des filles. Ouais. Voilà, hop, c'est bon, ballon gagné. Il faut monter la balle. Attention de ne pas se le faire surprendre, de pas se le faire prendre, voilà. Allez, Zandic maintenant, qui a trouvé sa coéquipière. Il reste sur la 3-3, c'est assez. Zandic. Ouais, bien joué. Ah, dommage. Qu'elle joue, que Alice Tremblay rentre un petit peu trop tôt. C'est bien, ça, c'est la défense qu'on fait. Ah oui! Superbe but de Marina Zivkovic qui, par toute sa agilité, toute sa puissance, a pu transpercer la défense et pour loger un ballon carrément impossible à arrêter pour eh bien, la numéro 12, Karen Ganella. Alors, Stella essaie de faire vivre un peu plus le ballon. Ouais, mais tu vois, ça défend bien Bertrand. Hein. C'est intéressant ce soir. C'est un match défensif qui est très très bon là du côté des filles. C'est très très plaisant à voir. Hein. Ouais, bah après, ouais, ça défend bien et ça attaque par contre pas très bien côté Saint-Maur. Je trouve pas de solution. Par contre, là, oui, là, si. Oh! Et pénalty. Non? Non, parce qu'elle est pas dans la zone. Elle est entre elle et la cage. Il y a faute sur elle, il n'y a pas de souci. Il y a Geoffran. Voilà, puis on va redescendre. Aminata So est très physique. Hein. On la voit jouer en pivot là. Et oui. C'est vrai que c'est très intéressant de la voir, hein, cette fille qui évolue vraiment avec des capacités physiques impressionnantes. Voilà, regarde, on la voit encore ici. Ouais, mais là par contre, justement, on s'y met à deux pour tenter de l'arrêter. Et deux minutes, Bertrand là. Que viennent prendre Isor Mosabo. Voilà. Ah, c'est bien les Parisiennes, hein, toujours en train de râler quand. oui, après, c'est peut-être un peu méchant sur cette action-là, mais c'est pour l'ensemble de leur œuvre. Et penalty. Donc c'est Cindy Champier qui s'y colle. Le dernier, elle l'a mis en lucarne droite. Ouais, en haut à droite. D'ailleurs, la gardienne lui laisse l'espace. Voilà. Et ben, ça sera à gauche. Je pense que je peux, et la tirer en haut, et c'est impossible pour la gardienne de la voir. Ouais, je pense qu'elle a un problème, peut-être en tous les cas de concentration. Il va falloir peut-être que cette gardienne d'ailleurs travaille sur ses angles. Après là, on voit ce qui est intéressant là, c'est que le temps mort de Camille Comte là était à 13-8, et lui il est positif son temps mort, puisqu'à la fin après son temps mort il est à. Hop, et en plus. Allez, Eva Turpin, avec. Et voilà, boum! But d'Amina Tasso. Ouais. Et c'est Chloé, évidemment, que. Elle va tirer. Ouais, et but tirer. Superbe extension là. Ouais, c'est la première fois qu'on la voit tirer
La numéro 15. Ah, c'est. Et voilà, 30 minutes, c'est la fin. Non, c'est la 6, c'est la numéro 6, Marie Gaillard. Voilà. Là, Geffrand, donc ils sont obligés de tirer. Ah, ils sont joués. Alors, on peut poser la balle, faut obligé d'avoir une action, le ballon, faut qu'on lâche la balle. Elle tire quand même. Voilà. On peut marquer des buts comme ça. Ça arrive. Ben oui, ben tu regardes rien que le dernier match de champion. Pas le dernier match, l'avant-dernier match, Montpellier-Saint-Raphaël. C'est sur l'engagement. Montpellier-Saint-Raphaël, il y avait match nul, Montpellier vient d'égaliser. Engagement rapide, engagement, le ballon va au... Il reste 3 secondes. Hein. Tir direct, lucarne. Ah oui, alors et ça. Et donc ça arrive. Faut être vigilant et ça arrive. C'est un sacré exploit. Voilà. Bien, et eh bien écoute, une première mi-temps assez intéressante hein, pour les joueurs de Remoise. Très très bien regroupé défensivement, hein, je l'annonçais pendant cette partie. Et puis plein d'opportunisme, on va dire, avec des opportunités de marquer et elles ne s'en sont pas privées, hein, les Remoises. Ouais, c'est très bien. En plus, elles répondent vraiment tactiquement présentes sur les choix proposés par Stella en défense. Donc c'est très bien, elles trouvent des solutions, c'est parfait. Il faut qu'elle continue comme ça. Deuxième mi-temps, je pense que devrait être du même acabit. Donc, c'est bon signe pour la suite. Voilà, allez, on va se séparer quelques minutes avec les gymnastes là, de l'école. L'UGAP de Bourg-de-Péage. De l'UGAP de Bourg-de-Péage, justement. Tu en parlais tout à l'heure. Et on va bien se retrouver dans quelques petites minutes. À tout à l'heure. Bon spectacle. Tout à l'heure. Allez, voilà donc le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, Bertrand, avec ce score de 16 à 9 toujours pour les Bourquennes. Les Péageoises. Les Bourquennes, ouais, les Valences. C'est vrai que tu me reprends à chaque fois et tu as raison. Hein. Mais il faut que je sois vigilant. La culture drômoise est importante. Ah oui, bien sûr. Et puis pas que drômoise, ardéchoise aussi. Hein. Allez, avec première action là, avec un tir au pivot et but. Voilà, on a tout de suite trouvé sa numéro 16. Un petit oubli défensif. On a dit en premier temps qu'elles avaient bien défendu, mais là elles ont été aspirées par l'avant. Et rentrée d'Elière à l'opposé, qui se retrouve tout seul. Allez, il faut tout de suite retrouver le chemin des filets pour. C'est Aguirre hein, qui a marqué. Ouais. C'est l'Espagnol qui a marqué. Allez, avec un. Oh, c'est une passe sur l'aile pour Chloé, malheureusement. Oh, bah! Alors, ça, c'est extraordinaire. Marina qui a suivi derrière le tir de Chloé et qui, marque avec ce petit lob tout. Plein de finesse. Plein de finesse. Ouais, c'est un peu la chance. Parce que bel arrêt là. Dommage que Chloé avait bien essayé de contourner le gardien de but. Bel arrêt du gardien. Et qui malheureusement pour elle va dans les mains de Marina qui fait un petit lob tranquille. Allez, nouvelle possession des joueuses de Saint-Maur vont tenter un petit peu de marquer et de grappiller quelques points. Ça n'a pas été évident en première mi-temps. Mais elles ont commencé fort là avec ce premier but. Un petit peu comme la première mi-temps d'ailleurs où elles ont pu mener 2-0 rapidement. Ouais, là, ça a bien défendu. Là, ça défend bien. Là, elles sont à égalité numérique. Ça défend. Stella essaie de mettre un peu plus de jeu collectif. Donc, un peu plus de mouvement qui pose un peu plus de problèmes à la défense. Ouais, bing! Allez, bien arrêté là. Et bien, super barré de Carmen Alves. On revient là, on pique vers le centre. C'est bien joué. Avec Madeleine. Dommage. Turpin, pardon. Mais, la passe qui était. La relation avec Noémie Bartomé y était, mais par contre, Eva lui fait la passe sur elle. Donc, ça permet aux défenseurs de pouvoir agir. Attention, allez, Chloé. Là, vas-y, tout de suite. Allez, on rentre. Et c'est une faute. Et c'est un pénalty. Non, il y a Geffrand. C'est presque dommage qu'elle ait contourné, d'ailleurs. Il va dire qu'elle est obligée de contourner grâce à la magnifique passe
de notre ami Alves Farroco Carmen. Tu es ironique quand tu dis ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que là, une passe, c'est tendu et ça doit arriver dans la course de sa partenaire et pas que la partenaire soit obligée de s'arrêter. Donc ça l'a mis en difficulté. Ouais, alors là, on a essayé de contourner la défense. Et ça tient le coup, ça tient bien du côté de Saint-Maur pour l'instant. Voilà, encore un choix tactique. C'est très bien ce qu'elle fait en défense. Ah, par contre, il y a une petite sanction disciplinaire là. Non, ouais, parce qu'il y a une petite faute quand même sur Eva sur le côté. Ouais, il y a bien Turpin qui a fait très très gros effort là. Ouais, c'est très bien joué. Mais c'est très bien que les joueuses, les péageoises soient capables de s'adapter à ce que leur propose Stella. C'est pas évident à attaquer. 17-10 toujours, peut-être non, on n'a pas osé sur l'aile, pas trop d'ailière hein, du côté de Saint-Maur. On joue plutôt vers le centre, hein, Bertrand. Oui, ouais, elles reviennent beaucoup, un peu trop même vers le centre. Elles n'utilisent pas assez. Bah, elles ont essayé en première mi-temps, mais on leur a sifflé passage en force parce qu'elles essayaient que de traverser. L'arrière essayait de traverser et pas de jouer avec l'ailière. Oui, alors qu'on a Madeleine Boudard et Clarisse justement hein, qui jouent bien sur les ailes avec une tentative maintenant. Et, ça défend. Et deux minutes. Deux minutes pour Marina Mizivkovic. Parce qu'elle a tenu le maillot, mais c'est pareil, elle vient de le montrer là. C'est qu'à un certain moment, la difficulté au handball, c'est que les maillots sont très fins, sont très légers. Et derrière, quand on a la résine sur la main. La main colle au maillot et donc ça fait effet. On a l'impression qu'on tient le maillot, mais on ne tient pas forcément le maillot. C'est colle. D'accord. Donc voilà, c'est. Ça peut arriver et c'est ce qu'expliquait Marina. Prend place à défendre, il y a beaucoup d'activité, beaucoup de volume. Oh. Là, et par contre, il est gentil là. Oui, parce qu'elle a pris un coup dans le menton là. Ce qui est jamais bien agréable. Et on doit saigner là peut-être un petit peu du côté de la joueuse, ouais. Peut-être falloir sortir un petit peu. On a perdu elle même une dent. Ouais, elle a peut-être. La petite souris va sûrement passer chez Eva Paliès. Oui, et là c'est un petit peu problématique quand même d'avoir perdu une dent parce que du coup, ça repousse plus hein, à cet âge-là. Hein. Ouais, puis surtout ce qui est important, c'est mine de rien, c'est des jeux. Et les jeunes sont. Ouais, quand on est jeune fille et quand on joue, fait du sport collectif, du sport contact, de combat, il faut jouer avec un protège-dent. Très peu jouent, pas assez jouent avec des protégeants. Ouais, mais c'est pas agréable, hein, Bertrand. But. Oui, mais c'est pas agréable, mais. Ça protège. Bah oui. Ça protège. Ouais, très beau but de Baudard par-dessus là. Oui, c'est vrai que le public est un petit peu de Bourg, de PH Sandor, avec. Bah dis donc. Et va là, c'est Chloé, Chloé Villemain n'a pas du tout de chance hein, sur ses tirs pour l'instant. Oui, mais il y a quand même faute sur elle, sur le côté de la capitaine Marlène Guillon qui vient de prendre sa deuxième fois 2 minutes. Donc il reste encore 25 minutes. Donc c'est un pénalty que va tenter de réaliser pour la troisième fois Cindy Champion. Ouais. On dit hein, jamais 203, donc normalement ça devrait faire but. Mais on dit aussi qu'il faut surtout se taire parce que généralement elle se produit l'opposé de ce qui se passe. Voilà, ça voilà. C'est le chat noir. Voilà. Ça. Voilà. Non, mais Cindy va tranquillement. Ah bah non ! Oh bah j'aurais dû me taire, Bertrand. Ouais. Tu avais raison encore une fois, décidément. Par contre, regarde où elle a tiré. Elle a pas tiré en haut. Ouais, c'est vrai. Elle a tiré à mi-hauteur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage parce que si elle retire en haut, il y avait encore le même tir. Les deux premiers tirs, il y avait but. Allez, c'est pas grave. 55 sur le terrain. Il faut qu'elles arrivent à retrouver un peu de dynamisme là. Oui, on les sent un petit peu mollassonnes hein, dans ce début de deuxième période. Ce qui n'est pas très réjouissant, mais allez, falloir. Par contre, ça défend. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça enchaîne en défense. Alors ça, il n'y a rien à dire. On ne peut pas leur enlever ça. Ah, mais c'est un ballon qui est encore une fois collé. Voilà. Allez, faut qu'elles arrivent à retrouver le chemin des filets. Et c'est Stella hein, qui leur pose des problèmes, puisque toi là, c'est très atypique comme défense. Ça monte, ça descend, ça change de dispositif sur le terrain. Les joueuses sont en haut, en bas. C'est très intéressant. Allez, champion, boum ! Avec ce but qu'on attendait pour faire à nouveau réagir le public et moi-même et nous-mêmes, bien évidemment. Ah voilà, c'est bien. Cindy s'est rattrapée de son échec sur le penalty, elle a pris ses responsabilités. Voilà, faut qu'elle continue à défendre comme ça là. Si elle défend comme ça, ça va être très confortable pour les gardiennes et pour prendre le moins de buts possible.
Donc là, elles sont une de plus. Allez, avec un ballon là qui va s'élever maintenant. Ah oui, avec là une reprise de dribble visiblement. Ah, marcher, oui, c'est marcher, mais j'ai. Marcher peut-être, oui. Allez, Turpin qui va tenter toute seule, mais qui est arrêté, freiné dans son élan par la gardienne. Ouais, elle a un peu touché. Mais bon, après, ils estiment qu'elle est capable de marquer là, mais. C'est dommage que Eva ne soit pas capable de faire un petit lob là dans cet espace-là. Si elle pose le ballon au-dessus de la gardienne, il y a but. Allez, nouvelle possession d'Aumoise là. On va peut-être tenter de marquer un autre but. Forcément, ça défend mieux hein, du côté de Saint-Maur. J'ai le sentiment quand même, Bertrand. Voilà, ouais. Mais on vient tout de suite. Et oui, ça défend mieux. Et on a une gardienne qui est un petit peu plus en réussite qu'en première mi-temps finalement. Ouais, mais regarde les tirs où ils se font. Ouais, superbe. Oh ! Eh bien, super barré. Ouais, très belle parade de Carmen Alves Franco qui a bien éclaté là. Parade éclatée, ça fait. C'est pas ce qu'elle maîtrise le mieux, mais c'est très bien de l'avoir fait. Parce qu'en plus, ça réussit. Exact. C'est toujours très, très positif pour la défense quand on défend bien et qu'en plus, la gardienne est capable d'arrêter le ballon. Et voilà. Et là. Passage en force. Ouais. C'est pas l'endroit qu'est-ce de la faute. Passé, là non, c'est pas l'endroit de la faute. Ah ouais, d'accord. Donc il faut l'arbitre revenir. En plus, voilà. L'arbitre de champ va se mettre à l'endroit de la faute pour montrer où c'est. Donc il faut au moins être. Faut être le plus près possible de la faute pour jouer. C'est dommage parce que il y a une très belle contre-attaque là qui aurait pu être réalisée. Ouais. Oh bah alors ça c'est du gâteau. Très très beau shoot de Madeleine Boudard. Qui s'est retrouvé non pas sur l'aile mais carrément dans l'axe. Hein, Oui, ouais, bah c'est très bien parce que Cindy et Madeleine ont changé. Saint-Maur ont permuté. Ouais, permuté de poste. Et Saint-Maur défendant en fille à fille, sur le système fille à fille, chacune son adversaire. Il y a eu un problème de changement d'adversaire. Donc bien joué. Et elles ont pu en profiter. Ouf. Ouais, il y a une faute là et un pénalty peut-être. On est en zone. Dans 2 minutes, oui. Oui, plus, pour Eva Turpin qui est. Bah, qu'est-ce qu'il y a comme faute aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a comme sortie, comme temps Oui, mais après là, c'est normal. Bah, après, c'est logique. Il y aurait même, je pense, même par rapport à ce qui se produit, il devrait y en avoir même un petit peu plus. Alors, les arbitres sont là pour mettre les limites qu'ils souhaitent. Allez, pénalty pour Saint-Maur. Et on a trouvé. Le petit trou. Oui, c'est Déborah Podar qui je pense, qui est la meilleure buteuse de. Ouais. Voilà, qui est presque pas l'unique, mais presque l'unique buteuse de Saint-Maur. Oui, mais on la sent très en fort, hein, Déborah, depuis le début de cette rencontre, est assez incisive sur certaines actions, dont ce pénalty. Ouais, c'est dommage que sur ce type de défense, là. Et ce qui est important, c'est d'essayer de faire circuler. Allez, superbe. Ouais, oh, bel arrêt. Et bel arrêt aussi de Carmen. Il faut faire une circulation de joueuses. Il faut que les joueuses se mettent en mouvement. Et alors que là, on joue qu'avec balle en main. Donc à certains moments, bah, c'est difficile. C'est-à-dire que là, Noémie Barthélémy doit mettre du mouvement. Voilà, Chloé, pareil, voilà, parfait, voilà, c'est gagné. Et qu'à partir du moment où sur ce type de défense. Et bien arrêté. Ouais, après, pour lui, il n'y a rien, mais il peut y avoir faute. Mais il siffle rien, donc il faut revenir. Il faut courir. Ouais, ça c'est un beau mouvement, ça c'est très très bien négocié. Oulala, on a du mal à se relever, mais ça va, ouais, c'est un but. Bah, elle demande une sanction disciplinaire. Voilà, dès qu'une joueuse met du mouvement, voilà, et encore tir, toi, que des tirs à mi-hauteur. Et c'est une faute là, il y a un jet de 7 mètres. Ah, troisième fois 2 minutes. La troisième pour la capitaine qui ne rentrera plus sur le terrain. Et qui est un petit peu sifflé là, parce qu'elle conteste un petit peu la décision de l'arbitre. Mais c'est la règle, effectivement. Et Marlène Guillon va rejoindre. N'applaudis pas, tu vas prendre un rapport. Allez, avec maintenant, eh bien, notre.
Marina Djandjic. Maria Djandjic. Qui va se présenter face à Karine Gadela. Voilà, donc là, ils attendent que la capitaine sorte du terrain. Alors elle traîne. Donc le délégué est là pour changer le capitaine. Parce que c'était la capitaine. Elle doit aller dans les tribunes. Tant qu'elle n'est pas dans les tribunes, le jeu ne peut pas reprendre. C'est bon, elle s'est assise dans les tribunes. Voilà, c'est bon. Ça va repartir. Allez, avec Maria. Oui. Superbe. Superbe but de Djandjic là. En haut. En haut à droite cette fois-ci, ouais. Et tu le rappelles souvent, hein, Bertrand. Cette gardienne a des points faibles sur ses ailes. En tous les cas, pas sur ses ailes, mais en haut à droite et à gauche. Dans ses lucarnes. Et je pense pas que ce soit un ange quand même. Si elle veut des ailes, c'est que. C'est vrai, elle pourrait voler. Elle pourrait voler. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas me permettre. Avec un. Ouais, superbe aussi but là. Dans la lucarne gauche. Ouais, Noémie Barthélémy se plaint d'un mauvais bloc. C'est-à-dire que le pivot l'est retenu pour l'empêcher de sortir. L'arbitre dit non. Par contre, Carmen Franco n'était pas forcément prête à jouer, à gauler, puisque là c'est sa partie de cage. Le but a lieu dans sa partie, donc c'est plus à elle d'agir sur cette trajectoire. Voilà, 6 points, hein, on gère hein, toujours du côté des Drômois. 7 points là maintenant. Avec Maria Djandjic là qui vient de faire exploser le filet. Ah bah là ouais, si tu montes pas sur Maria Djandjic avec ses 1m90 plus son bras plus voilà, tu risques de prendre un peu la foudre. On est d'accord. Donc là, elles n'arrivent pas, c'est toujours le même écart. Allez, avec une nouvelle attaque là des filles de Saint-Maur, mais qui ne trouvent pas de solution dans cette défense des jaunes. Et il y a une très belle activité défensive là. Il y a vraiment il y a de l'entraide. Elles sont là, elles ont essayé de jouer sur les trajectoires. C'est intéressant. C'est l'exemple un petit peu. Ah, hein. Alors, on a trouvé la solution et on vient. Au moment où je dis qu'il y a une belle entraide, il n'y a pas d'entraide. C'est comme moi sur le pénalty tout à l'heure. Donc on va se taire, on va vous laisser regarder le match. Voilà, c'est maintenant avec un tir. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé là, Bertrand? Explique-nous. En plus, c'est Adeline Alamelou qui. Il y a Cindy Champion fait un duel sur elle et puis elle la retient, mais elle la lâche après, mais elle la tient pour l'empêcher d'avancer. Donc après, l'arbitre laisse tirer Cindy Champion. Cindy Champion rate, mais met 2 minutes à. D'accord. Voilà une explication claire. Il y a 2 minutes sur cette action-là. C'est un comportement antisportif. Puisqu'elle est battue, on est battu. Mais bon, elle a quand même mérité depuis le début du match de prendre 2 minutes. Oui, alors après, oui, c'est vrai que tu l'as rappelé. Ça vient maintenant, mais allez, nouvelle attaque de Saint-Maur. Là, on va tenter de trouver le petit trou de souris que vont peut-être laisser les filles, les Drômoises. Mais ça c'est une lucarne trouvée et superbement trouvée par Eva Paliès, visiblement. Ouais, on s'aperçoit que. Allez, avec cette fois-ci Chloé. Et bien voilà, son premier but à Chloé Villemain. Milmo à l'aile. Sur l'aile, bravo. Oui, Chloé Villemo, pardon, et non pas Villemain. On me rappelle dans le casque cette petite confusion que je fais très régulièrement, mon cher Bertrand. Et il faudrait que tu me reprennes du reste. Mais t'inquiète pas, je suis là pour ça. Donc c'est bien Villemot et non pas Villemain. Je suis grassement payé pour te remettre en question. Ah, fallait pas le dire. Beaucoup de gens vont vouloir ma place. Alors. Oui, sûrement. Oui. Oh non, mais un deuxième commentateur, un deuxième consultant en handball, je n'en connais pas. Aussi performant que toi pour l'instant, Bertrand. Et c'est un petit peu grâce à toi que le handball évolue sur Mistral TV. Hein. Merci, Roger. Ça fait plaisir. Allez, on va se recentrer sur le jeu. Là, on a sur un petit temps mort. Enfin, temps mort, si j'ose ainsi m'exprimer, pour pas faire de vilain jeu de mots. Bon, allez. Allez, mesdemoiselles, on repart en défense pour récupérer des ballons.
Allez, ça continue. Oui, et ben voilà, ouais. C'est un tir qui passe à côté. C'est un tir judicieux hein, qui allez, est. Zandit, c'est là, qui a la balle. Ouais, oui, on vient ceinturer. Bah, j'en sens qu'elle a un manque de confiance et un manque de temps de jeu quand même, parce qu'elle joue pas énormément, c'est Vaturpin qui joue plus qu'elle. Parce que là, sur une action comme ça, elle doit la traverser dans l'espace extérieur là, pour essayer d'aller. D'aller marquer un but. Et bien voilà, ça c'est une un poteau qui vient de... C'était bien tiré. Ah ouais, superbement tiré par Cindy Champion là, qui est quand même un des éléments forts de cette équipe drômoise. Ouais, elles arrivent pas quand même à. Alors Stella joue un peu là, en train de jouer un peu comme le Havre la dernière fois, c'est-à-dire à calmer à chaque fois. Bon, elles sont une de moins, hein, mais à plus trop jouer le jeu rapide. Donc elles imposent leur rythme. Il faut que les péageoises imposent leur rythme, comme elles l'ont fait en première. Allez, avec une nouvelle, il va falloir attaquer maintenant, une faute. Ah, on se demande de se relever. Allez, il va falloir peut-être shooter à un moment donné. Voilà, le bras de l'arbitre vient de se lever, mais on défend bien et on défend tellement bien qu'on arrête. Ouais, bel arrêt là de Carmen. Carmen qui a été bien, bien vigilante. Marina avec on vient ceinturer Barthélémy, là Noémie. Ouais. Ouais, hop là, encore un but au-dessus de la tête de Madeleine Boudard. Et une faute là, non mais on vient pas siffler. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on. Bah non, on dit rien. On dit rien du côté de l'arbitre. Au contraire. Ouais, je n'ai pas trop vu l'action. Allez, je vous rappelle que le 16 mars à 20h dans cette salle, on aura lieu un match à entrée gratuite entre l'équipe de France jeune des moins de 18 ans contre le Drôme Handball. Donc venez nombreux, venez applaudir ces jeunes. C'est la relève de l'équipe de France. Allez. On compte sur vous, l'entrée est gratuite. C'est une vie champion. La Nîmoise. La Nîmoise qui est. Bah, en parlant de Nîmes, Nîmes oui. C'est. Ouais, on vient d'apprendre que Nîmes a déposé le bilan. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le deuxième club de l'élite féminine qui dépose le bilan. C'est quand même problématique. J'espère que la fédération va se pencher sur. Bah, sur le problème, hein. Ouais. Peut-être que les budgets sont un petit peu trop onéreux. À voir. Ouais. J'espère que. Ça ne mettra pas en péril le handball féminin. Ça serait dommage. Surtout ouais. Qu'on a quand même des bons éléments. Hein, comme eh bien, en Drôme-Ardèche, on a Bourg de Péage. Les filles du Pouzin là, qui font un bon parcours. Malheureusement, elles ne seront pas championnes. Elles ne monteront pas cette année. Mais en tous les cas, on a deux belles équipes féminines. Une en National, une l'autre en D2. Ouais, qui joue le haut de. Qui joue le haut de. Belle arrêt, Carmen. Ouais, qui joue le haut de tableau de leur championnat, c'est bien. Bah, et sans oublier les autres équipes, hein, Dromard des Choises, bien évidemment. Oh, superbe interception de Chloé, presque non. Ouais. Et ouais, oui, puisque ça tombe bien qu'il y a un temps mort. Il y a le club d'Uteil qui va se maintenir en National 2. Il y a l'équipe de l'Étoile qui est deuxième en National 3. Et par rapport à ça, apparemment, pareil, il y a le club du Valence Handball qui postule pour l'organisation des barrages de National 3. C'est-à-dire que il y a 8 poules de National 3 féminines. Les deuxièmes. C'est-à-dire les 8 deuxièmes vont être réunis sur un même lieu. Donc Valence postule pour cette organisation-là. Donc nous, on a deux équipes susceptibles à être concernées. C'est Étoile, qui est deuxième actuellement de la poule 8 de National 3, et l'équipe réserve de Beau de Péage, qui est deuxième de la poule 7. Donc peut-être que, voilà, encore pareil, pour le handball féminin, c'est très bon. Et le club de Guy Rangange, qui est en finale de la Coupe de France, qui est en quart finale de la Coupe de France, et qui... et en prétendant à la montée en National 3, donc le handball féminin en Drôme-Ardèche tourne bien. Très bien. Ouais, il marche très très bien, tout à fait. Merci de le souligner, Bertrand, en tous les cas. Allez, un petit temps mort de Saint-Maur. Ils n'arrivent pas à revenir. Ils essayent bien plein de choses, mais ils n'y arrivent pas. 23-16 dans cette partie où il reste un gros quart d'heure, en tous les cas, non, petit quart d'heure maintenant puisqu'on joue la 16e minute. Donc il reste 14 minutes. Très exactement.
Mais malgré tout, ben écoute, hein, les filles de Camille Comte gèrent avantageusement ce match, ouais, avec toujours cette défense de fer. Ouais, très beau contre là. Ouais, qui est quand même relativement important. Ouais, puis là on sent quand même vraiment la différence de classement entre les deux équipes, hein, entre Saint-Maur qui est 8e et Broad-PH qui est 3e. C'est quand même toujours intéressant quand on joue de voir qu'il y a une différence entre son adversaire, avec son adversaire. Avec une c'est un ballon qui est repris là pour Saint-Maur. On s'arrête là, on demande à l'arbitrage un repositionnement. Et voilà, donc avec un ballon, une nouvelle attaque, ouais, peut-être bien, on a ça tenté. Ça défend bien. Ah oui. Et bon, ceinture. Et du coup, on arrête cette progression, ce bulldozer, ouais, jaune là qui commençait à déployer sa contre-attaque et qui a été freiné malheureusement dans son élan. Allez, un petit. Allez, Zanjic là, au bas entre les. Et non, on a sifflé avant, je crois. C'est normal. Donc, c'est un pénalty. Ouais. Djendjic qui fait son match, hein, Bertrand qui est arrivé, qui est calme, posé, et qui rappelle que voilà, qu'elle est là aussi pour. Ouais. C'est vrai que Eva Turpin fait une bonne saison et a vraiment progressé là, sous la direction de Camille Comte. Donc Maria, elle est là pour la seconder. Sivkovic là, seul avec le gardien, but en bas à gauche, superbe but de Marina, encore une fois. Et on creuse à nouveau l'écart pour les Dromoises, 24 à 16 avec cette contre-attaque là qu'on a tenté de mettre en place du côté de Saint-Maur, mais qui a tout de suite été avortée par la bonne défense à nouveau des jaunes et bleus. Donc là, il y a encore temps mort non productif. On ne marque pas derrière en attaque pour Saint-Maur et on prend le but. Boum, ah. Alors ça par contre c'est bien trouvé. Ouais, c'est bien. Par contre là c'est pas bien défendu, mais c'est bien joué. C'est bien joué. C'est Eva Paliès. Eva Paliès. Qui vient d'envoyer ce boulet de canon. Qui est franco-anglaise, qui a fait les Jeux Olympiques de Londres avec l'Angleterre. Allez. Un petit peu de mouvement. Ouais, superbe mouvement là. On aime bien voir ça. Et oui, c'est. Ça m'insupporte que les arbitres sifflent ça, parce qu'ils sifflent une hésitation. Il n'y a pas du tout marché. Elle a droit à 4 appuis, elle en fait 2, elle est en train de reculer, elle peut en faire encore 2 et ils sifflent parce qu'elle hésite. Et c'est vraiment, quand on est technicien, c'est insupportable parce que l'arbitre est maître du jeu et il sait pas, il y a une hésitation, donc je siffle parce qu'elle hésite. Ah oui, d'accord, oui. Ah, ma foi, l'erreur est humaine malgré tout. Oui. Et un panneau qui vient de se casser la figure là. Allez! Donc allez, il faut continuer. Encore le bras levé, il faut qu'elle continue à défendre. Oups. Et pareil, il n'y a rien. C'est très bien joué, un Schwenker, très bien joué, elle a mis tout le monde dans le vent. Oups, elle est tombée. Ah oui, non mais là, par contre, le lob pour Clarisse, malheureusement, elle ne fait pas 3,50 m Bertrand, et c'est bien dommage. Mais elle aurait quand même pu sauter. un petit peu, c'est vrai. On va la brancher un peu, Clarisse, il faut que tu sautes. Allez, on ira l'interviewer tout à l'heure. En tous les cas, on essayera si elle est encore présente sur le parquet pour recueillir un petit peu ses impressions sur cette rencontre. Et on essaiera aussi d'interviewer Samir Messaoudi également. Un ballon qui est rentré. Qui est rentré, ouais, sur le pivot et sur l'extérieur. Et se fait bananer là, voilà. Elles manquent un peu de. Allez. C'est un tir compliqué. On s'est fait mal, Bertrand. Ouais, mais du c'est côté normal, de Madeleine Boudard là, qui s'est tordu terriblement la cheville. Non, je sais pas. Je pense que c'est une crampe. Ou une crampe peut-être. Je pense que c'est simplement une crampe.
Ah ouais, parce qu'en fait, on a fait un tir, on s'est complètement mis à l'envers sur ce tir de Madeleine Boudère, alors qu'il faut féliciter hein, quand même le but de Saint-Maur, là, de Saint-Maur, ouais. Et là, bon, Péage continue à jouer là, sur le tir de Madeleine Boudard. Là, faut qu'elle reste tranquille en place. Et c'est pas la peine d'aller trop loin. Ouais, là, c'est une crampe. C'est une crampe. Nous organisons, le club organise les 8 heures karting de Beaupéage. Donc, le vendredi soir, vous avez les essais et le samedi, vous avez la course de. Donc, on va voir ce qui va se passer pour Madeleine Boudard. Je pense que donc, c'est une crampe. Les 8 heures de Beaupéage. Et ça va, on reprend. Alors on rappelle hein, que les crampes, c'est souvent lié à un manque d'hydratation hein, et qu'il faut bien boire pour de l'eau. Oui, bien sûr. Et la levure de bière est très positive, mais en grande quantité. Et dans une bière, il n'y a pas assez de levure de bière. Où il faut énormément de... Non, mais c'est pas des bêtises. Hein. Non, mais je te crois, je t'entends. Bien sûr, bien sûr. Mais comme tu dis, l'eau est très, très importante pour les athlètes de ce niveau. Oh, et bien, avec un ballon qui tape sur la transversale, là, ou en tous les cas sur le montant. C'est là, toujours dans l'envie. Hein, les filles qui ne lâchent rien. Bah ouais, mais c'est de bon augure. Allez, avec Djancic, là, maintenant, qui... Ouais, voilà, qui vient trouver le contre-pied de cette gardienne qui quand même fait un très très bon match, la Karen Gadella. Ouais. Oh. Mais boum, il faut monter hein, sur la tireuse, faut aller défendre, on a le droit d'aller de continuer à jouer hein, même si le match était bien engagé, continue à l'être. Mais surtout sur Déborah Godard, parce qu'on voit du... Ouais, c'est... Et on revient, tu vois. Par contre, on avait une très belle action de Maria Djancic. C'est-à-dire que Maria Djancic a fait une induction. C'est-à-dire que là, le défenseur est monté sur elle. Et elle a fait semblant d'aller chercher le ballon et elle est repartie de l'autre côté. Donc, oh, superbe feinte. Alors là, Marina, elle nous a fait une feinte dans son mouvement. Mais heureusement qu'elle a fait la feinte, elle a feinté aussi la gardienne. Parce que la gardienne, je pense qu'elle s'attendait vraiment pas à ce qu'elle tire. Tout à fait. Elle pensait qu'elle allait revenir à l'arrière pour. Mais sur Cindy Champion, mais ça défendait bien. Et la gardienne est partie sur le croisé et finalement, elle est allée tirer. Oups. Ouais, alors ça. Ouais. Elle s'est fait. Un croche-patte. Et ça, c'est du coup marché, du coup ça. Non, il suffit zone. En zone, ah oui, défense en zone. Voilà. Et pénalty sur faute c'est donc Eva sur Aminata. Allez, Djancic là qui va peut-être un peu aggraver le score. Oh, ouais, superbe. Superbe pénalty, superbement bien tiré par. Maria Djancic qui fait un match, un très très bon match, Bertrand. Ouais, c'est bien. Et 27-20, voilà, on revient à 7 points. Voilà, on reprend les 7 points. Les 7 points de la mi-temps. Hein. Djancic là encore avec Marina. Djancic, c'est gagné. Bon, et voilà, ça c'est un tir imparable. Oula, la gardienne en bas à droite n'a rien pu faire en plus dans le petit filet. Alors c'est souvent des coins qui sont imprenables. Ouais, attention de ne pas se mettre trop à la faute là. Avec attention à elle, à Déborah Kbodard qu'on annonce régulièrement. Et Eva Paliès. Ouais, là les péageoises vont essayer de faire un nouveau stop défensif. Ouais, belle défense encore une fois. Ah oui, alors là par contre, oui, voilà, sur l'aile. On avait annoncé, pareil, toujours cette diablesse qui vient toujours trouver des coins impossibles. Mathilde Degouéla qui. Ouais, tout à fait. Et la voilà encore qui vient récupérer. Ah. Mais oulala, qui fait une super passe. Oh bah. Alors ça, et l'arbitre fait partie du jeu. Donc, voilà. Donc le ballon revient en jeu. C'est-à-dire que même là, sur cette action-là, si le ballon tape sur le poteau et tape sur l'arbitre et rentre dans la cage, il y a but. Ouais. Au grand désespoir, bien sûr, de Saint-Maur sur ce moment-là, s'il y avait eu le cas, mais
Alice Tremblay là qui a fait son apparition, qui nous a fait un petit coup de fou, un petit arrêt d'attaque là qui a été relativement impressionnante. C'est le dernier temps mort de pour Stella Saint-Maur. En plus un temps mort parce qu'elles sont pas, elles sont moins nombreuses hein, Saint-Maur. Elles sont le même nombre de joueuses de champ, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu moins de tournées. Et surtout sur la base arrière, beaucoup moins de joueuses. Ah, donc là, normalement, logiquement, si les péageoises continuent comme ça, elles devraient gagner ce match. Ouais. Bah, 28-21. Alors, on retrouve la victoire. C'est, c'est ça. Pour la confiance, Bertrand, c'est très, très bon. Voilà, sachant que le prochain match à la maison, c'est Brest. Et avant ça... Je sais pas où elles se déplacent, mais elles ont un déplacement. Si je ne me trompe, je sais pas, c'est pas à Utz ou quelque chose comme ça. Donc Utz qui fait partie des concurrents, qui est quatrième. Donc c'est dans ce style-là. D'accord. Allez. Allez, encore 6 minutes dans cette partie. Enfin, oui. 5 minutes, disons, maintenant. Avec, dès qu'elle met un peu de jeu collectif. Oh, bah, voilà, c'est le deuxième lob qu'elle nous fait. Notre amie Mathilde Dégouès. Dégoué plutôt. Allez, pour les 5 minutes qui restent. Ouais, alors attention parce que c'est des balles un petit peu trop facilement perdues. Ouais, c'est un petit problème de synchronisation entre les joueuses. Pareil. Ouais, ça y est, c'est bien récupéré aussi. Allez, les filles qui remontent là le ballon avec Marina Zivkovic. Avec Chloé, avec Dandic. Et on va peut-être trouver... Oula, attention à cette place qui a failli être interceptée. Et on passe sur l'aile maintenant. Boum ! Alors voilà, ça, c'est du champion tout craché, Bertrand. Qui a catapulté le ballon sur l'aile. Ouais, c'est... Après, c'est défense de Stella qui part un peu à l'aventure et... Qui part un peu à l'aventure pour essayer d'intercepter la balle. Elle la rate, tant mieux, il y a décalage. Beau but de Cindy Champion. Qui a tout mis dans son tir. Pour réussir. Allez, attention. Ouais, là, il y a une grosse faute. Elle vient s'empaler. Tu vois, là, tu as Amine Natasso qui fait 1m85, je pense. Et puis, il y a Gentil qui fait 1m90. Donc, c'est imprenable. Ce sont des tours imprenables. Voilà. C'est difficile un peu pour Saint-Maur qui est un petit peu physiquement un petit peu moins grand. Oui. Donc passer par-dessus, voilà la solution, c'est dribbler, ça. C'est très bien ce qu'elle a fait. Et voilà, mais encore une fois, bien. Bah oui, mais enfin, si on perd le ballon derrière. Oui, Alice Tremblay qui balance le ballon. Alors voilà. C'est dommage parce qu'on aurait pu monter une contre-attaque là sur cette action. Ouais, mais ça défend, reste 2 minutes 30, plus 7, la victoire est en poche. Allez, une petite faute encore. Allez, voilà, refus de jeu. Allez, faut tirer, et voilà, c'est perdu. On sent, il y a un passage en zone du... de l'ailière qui rentre, mais on sent que les joueuses de Stella sont quand même vachement très touchées par physiquement. Allez, 2 minutes, un petit peu de spectacle. Oh oui, voilà, ça c'est un but de Clarisse, bien mené. Avec une belle passe
De Chloé. De Chloé. C'est spectaculaire hein, ces buts et quand c'est bien, quand c'est rondement bien mené, et bien et que ça aboutisse hein, surtout. Puis en balle féminin, on n'en voit pas souvent des kung-fu donc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça, par contre. Allez, avec un. Ouais, belle interception, dommage, malheureusement. Dommage. Ouais, on sait. Oh oui, alors ça, par exemple, c'est un très très beau tir en suspension. De Déborah Podard. Toujours la même. Ouais. Il doit être à plus de 50% des buts de son équipe. Attention, ouais, ouais, ouais. On essaie de se détacher. On essaie de se détacher du côté d'Animata. Aminata, pardon. Et c'est une faute. Allez, encore 30 secondes là dans cette partie. On va, on va finir peut-être avec un but. Non, voilà. Faute. Comme tout à l'heure, Bertrand. Ça m'insupporte. Une hésitation. Ça m'insupporte. Allez, Chloé. Ah ben voilà, on perd la balle. Allez, encore 5 minutes là. 5 minutes, non, 5 secondes. 5 secondes, pardon. Ah non, non, je... Et oui, voilà. Et c'est fini. Ouais. Ah, c'est bien, très belle victoire des péageoises. Elle est méritée, même si la deuxième mi-temps était un peu plus poussive que la première. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Saint-Maur a essayé de leur poser plein de problèmes. Et puis bon, après, deuxième mi-temps, beaucoup de petits problèmes techniques qui, des deux côtés. Qui fait que le match a été un peu débridé, mais la victoire est méritée. Et elles conservent leur troisième place. Et, c'est très bon pour la suite. Et aller chercher une place sur le podium, ça fait. Je pense que. La dernière fois que Baudepéage a été en troisième en D2 à la fin du championnat, c'était au tout début la première fois, donc c'est il y a bien longtemps. Bon, et bien en tous les cas, on espère sur Mistral TV observer la progression de cette équipe. En tous les cas, espère, on le voit en tous les cas, mais on espère qu'elle pourra grappiller ses trois premières places. Bien, écoutez, on va se séparer là, on se retrouvera pour du handball, bien évidemment à Baudepéage. En tous les cas, on vous souhaite, Bertrand et moi-même, de passer une très très bonne fin de soirée et on se retrouve très prochainement pour du sport sur Mistral TV. A bientôt. Salut Bertrand. Au revoir. Bon Samir, match, une défaite ce soir à Baudepéage. Malgré tout, on a senti un bon comportement quand même de tes joueuses ce soir. Bon, ça n'a pas suffi quand même pour rivaliser avec Baudepéage 3e aujourd'hui. Non, non, c'est vrai que dans l'état d'esprit, les filles ont été, je dirais pas exemplaires, mais ont essayé d'être plus que rigoureuses. Après, on n'a pas été aidé par l'arbitrage, on passe la majorité de notre temps à jouer à 5 ou à 4. Après, ça n'enlève rien à l'équipe de Baudepéage. Hein. C'est plus dense, il y a plus de rotation que nous. Voilà, nous, c'est compliqué, hein. On a entre les blessés, les filles qui s'en vont. C'est une fin de saison qui risque d'être assez dure. Mais en soi, dans le contenu du match, voilà, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. On fait avec les moyens du bord, quoi. C'est le cas aujourd'hui. Face à un adversaire hautement meilleur que nous. Et j'ai pas senti une réelle grande différence entre les deux équipes. Après, ça joue forcément à la profondeur de banc, à la qualité intrinsèque. Mais voilà, on vient mourir, mais pas très loin. Merci beaucoup, Samir, en tous les cas. Au revoir. Une belle victoire ce soir, une très très grosse défense de tes joueuses. Un match énorme. Un match énorme en défense. Je pense que c'est ça qui est la base de notre montée de balle. En ce moment, les stats, c'était qu'on marquait la moitié de nos buts sur montée de balle. Donc voilà, on a gardé cette volonté-là. Quelques
quelques tentatives du coach adverse avec des défenses un peu étagées, des défenses bizarres, où il a fallu rester lucide. Ça nous a mis en panique par des petits moments, mais je pense que les filles ont su maîtriser leur sujet. 30-23, ça me semble logique. Ce soir, on accroche la troisième place. On y reste, on y est bien ? Ouais, je l'aime bien, cette troisième place. Elle est très très belle. Elle est, voilà, c'était pas l'objectif qu'on s'était fixé au début. Et je crois que c'est comme quand on goûte un bon plat ou un bon gâteau. À un moment, voilà, on a envie d'y retourner. Et je pense qu'on va être tenace pour cette troisième place. Je pense qu'on va être tenace. Donc voilà, je suis vraiment fier. Ces filles, franchement, c'est des filles qui sont très agréables à entraîner. On prend beaucoup de plaisir toutes les semaines avec elles. Et le résultat qu'on est en train de construire, c'est ce qu'elles méritent et c'est ce que tout le monde souhaite de plus cher. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à tenir cette troisième place parce que vraiment, elle serait très belle. Merci beaucoup Camille en tout cas. Très bon match ce soir des péageoises. Toujours ton positionnement dans l'axe, on te sent très très forte sur le plan défensif. Un énorme match ce soir. Oui, on est contente, on est satisfait de notre match. Je pense qu'on a montré un joli visage. On s'est battu, on est resté combatif. Et même quand elle commençait à revenir, on n'a pas lâché et on s'est donné les moyens d'aller chercher cette victoire. Une troisième place aujourd'hui, bien méritée. Oui, je pense qu'elle est bien méritée parce que tout au long de la saison, on a travaillé dur pour et on a donné tout ce qu'on pouvait pour atteindre ce podium. Et on a fait un super match, une belle entame et puis c'est super agréable de jouer. Un peu de stress au début et après une bonne défense et c'est bon. Bon, on t'a senti très en confiance dans cette partie à ta rentrée. C'est un petit peu le constat que tu fais ? Ouais, c'est un peu grâce à mes coéquipières et puis c'est génial, je suis bien. Voilà, cette troisième place finalement, elle est méritée, disait l'entraîneur, par rapport à tout le travail que vous avez mené cette saison. C'est un petit peu aussi le constat que tu fais toi ? Ah oui, on travaille énormément tout au long des semaines et on a un coach super, on a tout ce qui est l'environnement du préparateur, tout le monde nous accompagne super et on a un super groupe, on a envie de faire encore mieux et on va continuer. Très très bon match ce soir hein, sur l'aile, on a vu deux buts quand même d'anthologie. Parle-nous un petit peu de ces buts, Clarisse. Quoi dire de plus, ils étaient beaux et j'ai été bien servie, donc c'est parfait. On disait avec Bertrand que ta place, finalement, tu l'as bien gagnée dans cette équipe de Bourg-de-Péage. Oui. Oui, en effet, c'est vrai. Ouais. Je m'entraîne tous les jours pour ça, donc voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu, nous dire d'où tu viens, de quelle île tu viens ? Ouais. Alors, je viens de Martinique, des Antilles. Et de quel coin de Martinique ? De quelle ville ? Fort de France. Directement, ouais. Voilà. Et voilà, ça fait 2 ans que je suis en France maintenant. Et tu, voilà. Et quelles études tu réalises ? Un BTS MUC. En management des unités commerciales. D'accord. Bon, bah écoute, c'est sympa en tous les cas de nous le dire là aux spectateurs de Mistral TV. À très bientôt, Clarisse. Merci, à très bientôt. On part en vacances avec une grande satisfaction. Donc voilà, on va pouvoir profiter de nos vacances. Et voilà, comme d'habitude, on est toujours à fond chez nous. Donc voilà, je pense que ce soir, on l'a prouvé. Et puis voilà, on est super fiers de notre résultat. Surtout qu'à l'aller, on avait perdu d'un but et je pense qu'on l'avait gardé là. Donc voilà. Donc c'était un petit peu à charge de revanche finalement que de battre cette équipe de Saint-Maur ce soir. Alors. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a voulu dire qu'en gros, à l'aller, on aurait dû gagner quoi. Et là, je pense qu'avec le score 30-23, je pense que voilà, là, on le mérite. Bon, eh ben écoute, bonne fin de récupération alors. Merci.